Bonjour et bienvenue pour du Dead Space Remake. Donc Dead Space qui est sorti à la base en 2008, qui a été fait par Visceral Games et pas seulement Glenn Schofield. On va en parler de ça, mais pas pendant la première vidéo, ok? La première vidéo, ça va être de la découverte. On va passer une heure ensemble. On va découvrir si ce remake en fait est à la hauteur de, par exemple, pour moi, en tout cas, c'est ce que j'espère. J'espère qu'il est aussi bien que, par exemple, Resident Evil 2 Remake. C'était un des meilleurs remakes qui existent, hein, Resident Evil 2 pour moi. Donc j'espère vraiment que celui-là était à la hauteur. Donc comme je disais, Dead Space à la base, Visceral Games 2008, et maintenant qui est refait en 2023 par Motive Studio. Et apparemment ils ont fait du très bon boulot. Donc comme j'ai dit, on va passer une heure ensemble et après on fera sûrement des vidéos un peu plus longues. J'ai testé à peu près 20 minutes, le jeu tourne très bien, pas comme un autre jeu qui est sorti l'année dernière qui a été vraiment une déception. Tout va bien, tout se passe très bien, j'aime beaucoup, tout le menu est très Dead Space évidemment, hein, quand vous allez dans les paramètres. Alors c'est pas vraiment le menu le plus alléchant, genre joli à regarder parce que c'est très Dead Space, hein, c'est que de l'écriture et tout ça, mais c'est assez marrant de repartir dans ce délire. Là, que dire, il y a beaucoup d'options. Honnêtement, j'ai passé une quinzaine de minutes à bien configurer mon jeu en tant que graphisme, affichage, gameplay aussi. Vous avez différents choix de gameplay pour ceux que ça intéresse. Je vais un peu parler de ça vite fait parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses. Par exemple, vous avez différents types. On peut calquer en fait sur Dead Space 2, on peut calquer sur Dead Space 1, et après, par défaut, personnellement, je préfère Dead Space 2. Vous avez courir en fait sur la gâchette. Si vous courez grâce à la gâchette, je vous conseille de désactiver le sprint automatique. Comme ça, il suffit simplement de maintenir la touche. Que dire? Les graphismes sont. Il y a des options. Il y a des options. Moi, c'est pas vraiment tout en ultra parce que voilà, hein, 1080 Ti, hein, c'est un peu vieux. Mais le jeu dépasse les 60 FPS sans problème de mon côté. Donc, je pense pas que les gens vont avoir des problèmes. J'ai enlevé le grain. Pour ceux qui n'aiment pas le grain, pensez à enlever le grain de film. C'est pas vraiment mon kiff d'avoir ça. Flou cinétique, je l'ai aussi mis à 0. J'aime pas trop quand on bouge la caméra. En fait, c'est extrêmement flou. Surtout que, en fait, maintenant il y a beaucoup d'effets volumétriques et d'effets de lumière, en fait, surtout sur la combinaison. Donc, quand vous bougez un peu la caméra autour de Isaac, ça fait un peu trop flou en fait autour de lui. Donc, mais après, c'est personnel, c'est des choix personnels. Donc, pensez à ça. Donc, ouais, il y a quand même pas mal d'options. J'aime bien montrer les jeux quand il y a des options qui sont là, quoi. Qui sont là. Il y a quand même des gens qui sont intéressés par ça. Pour l'audio, on a le basique. Voilà. Pour la langue, on va laisser en français. On va laisser en français. Mais nous avons donc maintenant, comparé au premier jeu, en fait, nous avons Isaac qui parle, donc il va avoir plus d'interactions et tout ça. Petite parenthèse, c'était assez drôle, parce que quand j'ai entendu parler du remake, en fait, je me suis dit, il faut faire deux choses dans le remake pour qu'il soit déjà à la hauteur de Dead Space 2 et 3 par rapport au gameplay, par rapport à comment ça se déroule, en fait. Peu importe si vous aimez pas le 3 et tout ça, on parle pas de ça. J'ai dit une chose, c'est que s'ils veulent rajouter un peu de profondeur au personnage, faut qu'il parle. Et s'ils veulent améliorer les choses, faut que ça soit comme le 2 et 3 quand on est sans gravité, c'est-à-dire qu'on puisse voler partout. Parce que je vous rappelle qu'en 2008, dans le premier Dead Space, en fait, on passait d'une paroi à une autre, en fait. On pouvait pas voler librement comme dans le 2 et le 3. Le 3 est ex extrêmement bon par rapport à ça, quand vous êtes dans l'espace et tout ça. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Même le 3 reste encore à notre heure, honnêtement, du bon gameplay, hein, je trouve. C'est ce qu'ils ont fait, tout simplement. Donc nous avons la voix d'Isaac qui revient sur Dead Space Remake. Et je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Donc ça m'embête, mais on va laisser en français pour mon premier playthrough, j'ai envie de dire, pour la première fois. Et après, je mettrai complètement en anglais tout le long, je crois. Mais voilà, on va laisser en français pour le moment. Après, bien sûr, on a de l'accessibilité. On a beaucoup de choses, on a de l'aide à la visée et tout ça. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des petites choses assez intéressantes, je trouve.
Genre par exemple l'activation du sprint et tout ça. Il y a aussi des choses que j'ai vues, changement d'arme automatique, aide à la visée. Et il y a par rapport au tracker aussi, si vous vous rappelez, en fait Isaac se met toujours, s'oriente en fait lui-même par rapport au tracker. Et vous pouvez désactiver ça, tout simplement. Donc ce sont des options en fait qui, je suis quasiment certain qu'elles n'existaient pas en fait dans le Dead Space 1, 2 et 3 même, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment cool, vraiment, vraiment sympathique d'avoir ajouté plein de petites options comme ça par rapport au jeu. Donc on sent qu'ils ont quand même fait un boulot, ils ont quand même réfléchi en fait à remettre au goût du jour un vieux jeu. Donc ça c'est vraiment sympathique. Donc charger une partie, c'est parce que j'ai joué 20 minutes. Nous avons plusieurs pas commandes, gameplay, nous avons plusieurs difficultés. Donc on a du histoire. Inflige beaucoup plus de dégâts, subit beaucoup moins de dégâts. Donc, en gros, ça c'est pour vraiment si vous voulez passer du temps à. Si vous voulez pas de difficulté en fait, vous êtes juste là pour l'histoire. Il y a beaucoup de jeux maintenant qui commencent à faire ça. Ils disent pas que c'est facile, ils disent que c'est un mode histoire. Donc, c'est plutôt sympathique honnêtement. Après, on a le mode facile, le mode moyen, difficile. Et après, on a un autre mode de difficulté qui est impossible. Par contre, le mode impossible, c'est comme. Je crois que c'est Dead Space 2 qui avait rajouté ça. C'est un mode où vous avez seulement qu'une vie et si vous mourez, vous recommencez depuis le début. Voilà. Il n'y a pas de sauvegarde auto, il y a des sauvegardes que manuelles, mais si vous mourez, la sauvegarde disparaît et vous recommencez depuis le début. Donc on va peut-être pas faire ça maintenant, on va juste rester en difficile pour le moment. Je suis maso, mais pas à ce point-là. Mais quand on connaîtra bien le jeu, on fera le mode impossible, hein. Je pense que c'était dans Dead Space 2 où il y avait énormément de différents types de modes de jeu. Je les ai tous faits. Pareil pour le 3, honnêtement, le mode classique et tout ça. C'était vraiment, vraiment cool. Donc voilà, c'est pour savoir pour le remake, tout ce qu'il y a. Donc ouais. On est parti. On va se lancer dans Dead Space. Comme j'ai dit, on va faire une petite heure ensemble. On va découvrir et tout ça, un peu comment ça se passe et comment le gameplay et tout, est-ce que c'est bien et tout. Et après, je ferai sûrement des vidéos un peu plus longues et on discutera aussi de l'échec d'une personne qui était dans Visceral Games. Un peu. On va en parler un peu parce que honnêtement, on joue à Dead Space. Donc voilà, on va parler aussi d'un petit autre jeu qui est sorti l'année dernière quand même. Ça me taquine, ça me taquine. Mais voilà, on est prêt. On y va. Ah bah elle est là, la difficulté, comme je disais, impossible. Le mode est le même paramètre de dégâts qu'en difficile. Bon, déjà, en tout cas, ça c'est une bonne chose. Mais les sauvegardes automatiques sont désactivées. Vous ne disposez que d'une vie et d'un seul emplacement de sauvegarde. Si vous mourrez, vous devrez recommencer à zéro et continuer en mode difficile. Donc voilà, c'est bête. En tout cas, difficile, c'est parti. Isaac, c'est moi. J'aurais aimé te parler, mais je suis désolée. Je suis désolée pour tout. J'aimerais juste pouvoir parler à quelqu'un. Tout s'écroule ici. J'arrive pas à croire ce qui se passe. C'est étrange. Ces petites choses. C'est elle? Nicole? Ouais. Ça faisait des semaines que j'avais pas de nouvelles. Eh ben, t'es toujours en train de faire tourner ce truc en boucle. Elle doit vraiment te manquer. Une mission sur l'Ishimura, ça ne se refuse pas. Mais 6 mois sans se voir, à se parler que par vidéo, c'est dur. On peut facilement dire une bêtise. Je te blâme pas. Moi-même, j'écouterai ma petite amie plutôt qu'Amond et ses protocoles de sécurité. Un homme averti en vaut deux, Daniels. C'est ce que vous dites continuellement. Et voilà, sans encombre. Sorti du FSD apparemment. Imaginez-vous 6 mois en tête à tête avec ce caillou. Pour un mineur indépendant, c'est le paradis. SJ-7 est l'une des plus grandes découvertes de la CEC. L'équipe de prospection a touché le jackpot. Bon, où est-ce qu'elle est? Le voilà. Contact visuel avec l'USG Ishimura confirmé. Quelle merveille. Le
plus grand brise-surface de l'univers. Apparemment, le travail a commencé. Pourquoi le vaisseau est si sombre? On devrait pouvoir voir ses lumières. Ouais. Je vais nous mettre à portée. On doit être attendu. Mais soyez prudents à l'approche. Je veux pas qu'on prenne de risques avec la plus grande fierté de la CEC. Aucun risque, hein. C'est pour ça que vous fouillez dans mes dossiers perso avant de partir. Vous surveillez les accès à vos fichiers? Je suis analyste informatique, ça fait partie de mon travail. Rien d'autre que des contrôles de routine de la CEC, Daniels. Si vous voulez jouer dans les hautes sphères, il faut connaître les règles. Monsieur, on est à portée d'appel. USG Ishimura, ici l'équipe technique d'urgence de l'USG Kellyon envoyée suite à votre appel de détresse. À vous, Ishimura. Ishimura, vous nous recevez? Répondez. Ici USG Kellyon. T'as déjà entendu parler d'une panne de communication sur ce genre d'engin? Non, jamais. Allez, que quelqu'un décroche, bordel. C'est quoi ça? Leur antenne de communication à l'RHS. Peut-être un problème d'encodeur. Daniels et moi pouvons nous en occuper en 48 heures max. Eh, comme ça tu pourras rattraper le temps perdu avec Nicole? Ouais, j'espère. Chen, Johnston, approchez-nous. Attache gravitationnelle activée. Atterrissage automatique. Ça vient. Je perds le contrôle. Anomalie. Merde! On est hors trajectoire! Daniels! Le forçage du système de pilotage ne répond pas. Merde! On arrive trop vite! On va s'écraser sur la coque! Chef! Stabilisateur d'urgence! La lumière bleue, là! Ça nous ralentira peut-être! Campez! Laissez tomber les boucliers! C'est ce qui manque dans Elite Dangerous au passage. Tout le monde va bien? Ça va. Je vais survivre. Hey Johnston, ça va? C'est ma cheville. Je crois qu'elle est cassée. Merde. Mais mieux vaut ça qu'une nuque brisée, ou pire. Bonne idée le stabilisateur, Isaac. Heureusement que je lis toujours le manuel. Bordel, il se passe quoi avec la salle de contrôle? Ce système de pilotage va nous tuer. Un truc à ajouter à ta liste de réparation. Jen, quels sont les dégâts? Les communications sont mortes, on a perdu le propulseur. On a un stabilisateur en feu. Le réacteur est foutu. Ça pourrait être pire, mais pas de beaucoup. Allons chercher de l'aide. Johnston, restez sur le Kellyon. On va envoyer un médecin. Les autres, avec moi. On peut voir déjà des différences par rapport à si votre personnage en fait est du type silence et comparé à un personnage en fait qui parle. Dans le premier en fait on avait l'impression qu'on vivait un peu plus l'aventure alors que là on voit, on dirait qu'on regarde plus un film, c'est différent. Mais par contre ça permet de débloquer pas mal de contenu. Je regarde mon... Mais... Ça fait un mal de chien, mais j'ai connu pire. Tu peux y aller, je gère. Merci Johnson, je t'ai jamais demandé, bref. Et par contre on peut voir qu'avec l'autre femme, j'ai déjà oublié son nom. Je sais qu'il y a Amand, ça c'est le mec. Il fait beaucoup plus jeune j'ai l'impression que dans l'original, mais bon c'est peut-être parce que j'ai une mauvaise mémoire. Mais on peut voir que les deux sont son pote, Isaac et l'autre femme. C'est bon Isaac, va chercher de l'aide. Ça va, je vais là. Et donc voilà, ça débloque en fait le fait de... On s'est bien écrasé. Pas top comme début pour une mission de réparation. Le fait d'avoir un personnage qui parle, je vais jamais en placer une. Ça permet de développer en fait. Ça permet de développer, voilà, Putain, j'en ai marre des pontes qui parlent en même temps. De développer en fait des personnages et voilà, on sait qu'ils sont amis, tout ça. L'autre, il parle de... Lui, par exemple, Isaac arrête pas de parler de Nicole et elle est au courant de Nicole et tout ça. Donc c'est bien. Il y a des avantages, pas des inconvénients, je dirais, mais des différences en fait. D'avoir un protagoniste qui parle et qui ne parle pas. Donc c'est bien parce qu'on voit la différence dans le même jeu en fait. Donc ça, c'est vraiment sympathique. Je vais pas tout lire, par contre, c'est le dossier... sur Isaac Clarke, donc ça va. Donc c'est lui qui a demandé de venir voir ce qui se passait en fait sur l'Ishimura parce qu'il y a Nicole à l'intérieur. Nicole qui est sa fiancée.
Et ils se sont pas vus depuis 6 mois. Pour ceux qui connaissent pas aussi, l'USG Ishimura est un vaisseau énormissime, un des premiers, je crois, des plus gros, qui peut, en fait, qui fait des... Depuis l'orbite, il creuse des trous dans les lunes et les trucs comme ça. C'est vraiment cool, vraiment sympa. Oui, ça va, j'arrive, oh là là. Si vous voulez un film qui ressemble un peu, vous pouvez regarder Event Horizon. C'est un vieux film, mais bon, c'est bien gore aussi, mais c'est cool. Honnêtement, il est bien. Ça me rappelle beaucoup ce film à chaque fois. Voilà, ça vous explique là, la petite vidéo. Brise surface. Pour moi, on n'a pas arraché le panneau. Daniels. Autant se connecter. Que vous nous rejoigniez à bord de Ishimura ou que vous veniez renforcer le personnel de la colonie, le capitaine Matthews et son équipage vous souhaitent la bienvenue. C'est plutôt incroyable quand on y pense. Isaac, désynchronisez votre rig. Ça marche. Récupérez les modules de télékinésie et de stase auprès de l'ingénieur en chef Jacob Temple. Localisation. Erreur. Employé non trouvé. J'arrive pas à joindre la sécurité. Pareil pour l'ingénieur en chef. Qu'est-ce qui cloche avec leur communication ? La tenue au début, elle est très... c'est un ingénieur, c'est pas un soldat, rien du tout. Donc on voit qu'il y a du cuir et tout dessus. C'est plutôt cool. J'aime beaucoup le look. Qu'est-ce que je voulais dire aussi avant qu'on avance? Que ça parle beaucoup en fait maintenant, vu que Isaac a une voix et tout, donc tout le monde parle en fait. D'accord, elle se place. Bon, ça va, j'avance, c'est bon, on y va. Je vais arrêter de parler. Ah, y a personne qui dit quelque chose là maintenant, ça y est. Celui-là était pressé de partir. Ah non, c'est immonde ça. Où est l'équipe de sécurité? Comment ça tirait ici? Rien d'enregistré. Aucun tableau de service et pas de courant dans l'ascenseur. Pour l'amour de Dieu. Poste de sauvegarde. Cette console fonctionne toujours. Isaac, évaluez les dégâts. J'ai pas envie de jouer. Alors, avertissement, cet article est sponsorisé par la division d'impression et d'édition de la CEC et peut ne pas représenter le point de vue d'Amazing vous Universe sentez ça, Magazine. Vous aussi sentir quoi? Comme si un truc était mort dans les conduits. Ah. Ça marche. Aussi, une chose assez intéressante, le rig... Alors, je sais pas si c'était comme ça dans le 1, mais j'ai remarqué, il y a de la profondeur vous en fait. Vous voyez le courant vers l'ascenseur? Si je peux voir pourquoi ça marche pas. Oui, on va le faire. C'est super classe, je trouve. Surtout la carte, en fait. Cette console. Vous voyez, il y a de la profondeur et tout. Je trouve ça vraiment sympa. Et je sais pas si le 1 était comme ça. Je me demande si c'était pas juste un... Enfin, du plat, quoi. En tout cas, c'est classe. Il y a quelque chose par terre. Qu'est-ce que c'est? Zach, je veux ce rapport de dégâts. Ça, c'est des balles. Ça, des impacts de balles. Qu'est-ce que vous avez, Isaac? Merde. Il n'y a pas que les communications et le système de pilotage. La moitié de l'Ishimura est HS. Les moteurs, la coque, les trames. Qu'est-ce qui pourrait faire autant de dégâts à un brise-surface? Ok, j'ai trouvé du courant. La ventilation fonctionne, l'ascenseur devrait pas tarder. Anomalie dangereuse détectée. Quarantaine activée. Encore un problème? Non, les systèmes de quarantaine sont tous en état. Attendez, vous avez entendu? Ouais, je l'entends. Amand. Que tout le monde se calme. Daniel, réactivez ces ascenseurs.
Il n'y a pas que nous ici. Ouh. Vas-y, Pierre Chen. Oh, trop tard. Faites attention, je suis derrière la vitre quand même. Et la porte qui se déverrouille pour nous. Allez, go, go, go. Comme dans le 1. Ah! Pour ceux qui connaissent, vous savez ce qui va se passer. Ah! Par contre, ça, ça n'était pas hein, dans le 1. Ah, c'est bien crade. Bien, bien, bien crade. Ok, là c'est stylé là. C'est très stylé. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Membre d'équipage. La plupart du temps, j'enlève, quand c'est en français, j'enlève les sous-titres. Mais dans ce jeu, ça, en fait, tous les sons du vaisseau, des monstres, des créatures, sont extrêmement forts, c'est fait exprès, pour faire peur, évidemment. Du coup, des fois, on n'entend pas vraiment ce qui se passe. Honnêtement, on n'entend pas ce que les gens disent, donc je laisse les sous-titres pour cette fois. De toute façon, après, je le changerai pour l'anglais, du coup, quand je l'aurai fini. Yeah. J'aime bien la petite musique. Je crois pas qu'il y avait ça en fait dans le premier, mais ils ont bien trouvé le fait de mettre un impact sur tout ce qu'on trouve, genre le cutter à plasma et tout ça. C'est vraiment l'emblème de Isaac en fait. Cut off their limbs. Par contre, c'est marrant s'il n'y a pas de traduction du coup en français. Il n'y a pas genre un sous-titre qu'il met. Donc, couper leurs membres hein, évidemment. Hop. Donc par contre, ils sont restés sur du Dead Space 1, ils ont pas changé ça, je préfère le 3 honnêtement pour ça, avec les balles universelles et tout ça, donc là on a l'arme, et là bien sûr on a les munitions pour le plasma. Donc munitions pour le cutter plasma, ces petites cartouches de gaz alimentent les projectiles à plasma ionisé du cutter. On peut les virer, déplacer l'arme. Aussi le menu est plutôt pas mal. Alors changer d'étage, on peut faire ça, changer de mission aussi, pour le moment on n'en a qu'une seule, montrer sur la carte, suivre l'objectif. Très bien, vous voyez que tout s'illumine en fait. Et après, on peut faire un zoom, zoomer, dézoomer, donc ça c'est vraiment sympa. Ça c'est le descriptif de la mission, ça c'est les différentes audio et écritures que vous débloquez au fil du jeu. On a toujours le bon vieux tombe. Et après, on bien sûr on a les coups aussi. Wow! Pardon, pardon! Merde! Oh la vache! Pardon! Désolé, je n'ai pas cassé les trucs, merde. Pardon. La visée, elle est un peu rapide, honnêtement, au joystick à la manette. J'ai pas trop pu la baisser. Donc j'espère que ça va pas trop foutre la merde, mais on verra. Oh! Bonjour! Ah! Ah bah apparemment j'ai du mal! Tiens! Voilà. Ok, on a la visée qui est un peu trop rapide pour à mon goût. Ouais, j'ai du mal. Donnez-moi 15 secondes, je reviens. Je vais voir dans les options si je peux pas baisser ça, parce que là, on va avoir des problèmes. Ok, on est de retour. Bah, vous voyez, une petite chose. J'ai pas trouvé, en fait, la différence entre, genre, bouger la caméra et viser. Apparemment, la vitesse du joystick n'est pas dissociée par rapport à ça. Donc ça... Ah, petite erreur de ça. Il y a une sorte d'accélération aussi quand on tourne la caméra, je trouve.
Et on peut pas l'enlever. Donc j'ai mis complètement à zéro en fait la sensibilité. Donc là, ça devrait, on devrait pouvoir viser un peu mieux. Mais voilà. Et aussi, on est dans Dead Space 1. Du coup, il y a pas de roulade. Dans le 3, il y avait des roulades. C'était bien. C'était vraiment utile. Mais là, il y en a pas. Donc je suis un peu déçu. Ça va ? Ouais, non, t'as pas l'air d'aller bien. J'ai l'impression que les couloirs sont un peu plus larges que dans mes souvenirs. Bon, ça va, ça on l'a vu venir quand même. Apparemment, il y aurait des nouvelles choses hein, dans le remake. Il y aurait des nouvelles choses, un peu comme dans Resident Evil 2 Remake. Demande de sécurité retrouvée. Il est pas mort. On lui a tiré une balle en pleine tête et il est pas mort, cet enfoiré. Smith a dû lutter comme les bras et les jambes. Par pitié, envoyez de l'aide. Ok. Très bien. Tout est très fort tout le temps. Hein. C'est ça que j'aime bien dans le jeu. Isaac. Oh mon dieu. Oh mon dieu, Isaac. T'es en vie. Bordel. Ils sont partout. Chen, il est mort. J'ai rien pu faire. Mais bordel, c'est quoi ces trucs? Parmi ceux que j'ai vus, certains portaient des uniformes de l'Ishimura. C'est l'équipage, ça? Franchement, comment ça peut être l'équipage? Tu les as regardés? Il faut qu'on aille sur le pont. Il y a plus de 1000 personnes à bord, il y aura forcément quelqu'un. C'est pas possible, le système de tram est en miettes. Et tout est verrouillé à cause de la quarantaine. Vous êtes tous les deux des techniciens, alors comment on fait? Il y a un wagon de tram en panne qui bouche le tunnel. Ça a bloqué le système. Et un des disques durs a cramé. Je ne peux ni désactiver le verrouillage ni appeler le tram tant que j'en ai pas un autre de la maintenance. Le problème, c'est que tout est du côté d'Isaac. Je m'en occupe. Assure-toi que les systèmes de réparation sont alimentés. Et Isaac? Wow. Oui? Je suis sûr que Nicole va bien. Elle est médecin, c'est ça? Elle fera ce qu'il faut. Ouais. Ouais, comme d'habitude. Mettez-vous à l'abri. Je reviens bientôt. Pour moi, ça me dit que Isaac doit être ultra relou, en fait. Je suis sûr qu'il a gavé tout le monde avec Nicole. Eh, Nicole par-ci, Nicole par-là. Ah, vous connaissez ma copine? Oui, Nicole. Ouais, elle est médecin, elle aide tout le monde. Elle est vachement bien. Je suis sûr qu'il y devait être vraiment relou pendant le voyage. Parce que tout le monde en parle. Moi, ça me fait rire, ça. J'imagine bien, genre, Isaac être le type de personne vraiment chiante. En fait. Moi, ça me fait rire. Sauvegarde, on va sauvegarder sur ça. Oh, je crois que j'ai utilisé le soin sans faire exprès. Ouais. Ouais, la touche B, c'est pour les soins rapides. Après, Y, ça va être la stase, je crois. Donc voilà, je me suis arrêté là, quand j'ai fait mon test. Déverrouillé, il y a encore ça. Ok. On peut... C'est où? C'est ça. C'est par là, mais nous, on va... voyager un peu. Je me rappelle pas, enfin après je sais pas si dans le remake ils ont fait ça, mais je me rappelle plus vraiment s'il y avait du secondaire dans Dead Space 1. Parce que dans le 3 il y a énormément... Tout dégueulasse. Dans le 3 il y a énormément de secondaire en fait. Démembrer, conserver vos munitions en démembrant les ennemis, couper les membres de vos ennemis pour les tuer rapidement, démembrer vos ennemis pour les ralentir. Pourquoi tu me dis ça maintenant? C'est parce qu'il y a un truc qui va arriver. C'est marrant, ça, c'est une... un endroit pour livrer les... Ah, mais oui, c'est où c'est qu'on a vu le monstre. Alors, toi, si t'es pas vivant... Les cadavres peuvent laisser tomber des objets supplémentaires par avoir été écrasés. Bam!
J'aime bien, comme ils avaient montré, ils ont fait beaucoup de streams, ce que Motive Studio, là, au début, quand ils voulaient montrer du Dead Space. Donc, en fait, quand on tire, ou qu'on tape, ou qu'on on interfère, en fait, avec les ennemis, genre la peau saute, la peau s'en va, et tout ça, c'est bien glauque, bien dégueulasse. C'est quoi, ça? Oh! Ok, je viens d'alimenter quoi, là? Oh, merde. Ah, ok, on a... Alors, si on peut... genre, tout prendre et partir... Ah merde, il est dans le couloir, je crois, à droite. Putain, j'ai l'impression d'être dans Tarkov, de voir écouter où sont les ennemis, quoi. Non, ça va. On a tout pris? Ouais, on a tout pris, je crois. J'aime bien le bruit des pas. Très très lourd, d'Isaac, c'est plutôt cool. Hop. Là, je suis toujours pas en train de faire l'histoire principale. On va sauvegarder, je crois qu'on va revenir en arrière. Enfin, j'en sais rien en fait. J'aime bien explorer, moi. Quand on me dit faut aller à droite, j'ai toujours à gauche. Toujours à l'opposé. C'est comme ça qu'on crée nos propres histoires. Ah! Isaac, ne vous emmerdez pas à leur tirer dans la tête. Ça les ralentit même pas. Bon. Le seul moyen, c'est de leur arracher les bras et les jambes. Mais ça les tue? Ou est-ce que ça les empêche juste de bouger? Bonne question. Bon, par contre, je vais revenir en arrière. Ouais. On va aller voir le tram. Faut que je regarde aussi ce que j'ai récupéré. Je crois que dans le 1, les augmentations d'armes fonctionnaient avec des nœuds de puissance, des trucs comme ça. Ah! Ok, je me rappelle de ça. Ok. Donc, je disais, regardons l'inventaire. Ça, c'est quoi? Semi-conducteur en bronze. Ah, c'est pour le vendre. Oui, c'est vrai qu'il y avait des objets de vente en fait. J'ai cru qu'on avait eu un nœud de puissance, mais non. Ah, c'est là qu'ils vont sûrement me dire... Ok. C'est là qu'ils vont sûrement me dire qu'il me faut la stase. Ou alors c'est ça la stase, peut-être. Module de stase. Alors, stase ralentit les ennemis et les objets qui se déplacent rapidement. Ça marche. Ouais. Ça ralentit pas des masses, hein, en tout cas, le niveau. Hein. Je vois une porte défectueuse entre la maintenance et toi. Tu peux réparer ça? Non, mais j'ai trouvé un module de stase. Si je suis plus rapide que... J'ai compris. Elle est quand même rapide, hein, la porte. Hein. Ça me fait un peu peur. Je peux l'attraper, le machin? Ok. Recharger les modules de stase aux stations de rechargement ou en utilisant les recharges de stase dans l'inventaire? Donc ça, ça va changer. Ça, voilà. Ils sont jolis, les icônes. Ils sont mieux faits. J'adore le fait qu'il y ait de la profondeur, en fait, dans le menu. Dans l'hologramme, comme ça. Vraiment cool. Sauvegarder. Encore.
Oh. Ok. Ok. Par contre, j'aime pas trop. Ouais, en fait, ça disparaît pas des fois quand on. Ça me fait peur sur le coup. Quand je bouge la caméra et que j'ai des trucs qui passent en premier plan comme ça, ça me fait un peu bondir. La lampe est cool en tout cas. La lampe, elle éclaire bien. Bon, du coup, j'imagine que c'est là-bas. On va remplacer le tram endommagé. Ouais, d'abord, on va vérifier un peu en arrière. Les toilettes. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Inside the vents. Donc ils sont dans les conduits d'aération. J'arrive pas à lire les mots d'avant. Genre ça là, tu vois. J'aime bien un peu. Tout bouge en fait. Tout a de la collision. Pas comme un autre jeu où... des fois on peut passer complètement à travers les choses. J'ai dit que j'en parlerai pas pendant la première série. Premier épisode. Ça, j'imagine que c'est le cœur d'Isaac. He told. Quoi? He told us? Non, he told me to bring the others. Il m'a dit de réunir les autres. Ok. Ça sera pour plus tard. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est un peu plus large. Il y a un peu moins le côté claustrophobique que j'avais dans le 1, je trouve. Ok, on est ouf. Okay. Faut regarder aussi où il y a les ventilations. Il y en a partout des ventilations, ça le problème. Ah, le point, je crois que ça doit être ça. Alors fais voir. Personne m'attaque s'il vous plaît, je suis dans le menu. Quoi? Quoi? Je sais pas. Fais voir un peu. Donc on a un kit de soins niveau 2. Ah, attendez, non, les points ils sont en bas. Il y a crédit 4200 et point 2. Ok, d'accord, les points ils sont pas dans l'inventaire. Oh, je crois que. J'ai envie de dire que dans le 1, ils étaient dans l'inventaire. Je sais plus vraiment. Bon, en tout cas, c'est bien. Bon, on a plein de munitions. 69, nice. Non. Message retrouvé. Benson à l'ingénierie. Vous auriez un module de stase? Il nous en faut un à la maintenance du tram, rapidement. Le chargeur automatique a cramé. Un tram endommagé est coincé sur la voie. Et si tout le système est bloqué, devinez qui doit s'en charger. Ici Temple, j'envoie un module de stase. Il s'est passé quoi avec le chargeur automatique? Aucune idée. Il y a plein de trucs qui se détraquent et... J'arrête pas d'entendre du bruit. Dans la machinerie, là où il devrait y avoir personne. Tu vois le genre? Je vois. Ça va. Même en difficile, le jeu est très généreux. Après, les ennemis sont quand même très coriaces. Il faut quand même pas mal de munitions. Mais je pense que ça va à un niveau... Voilà. Niveau munitions, tout ça, on est bien. Alors... Système de réparation en ligne. Système de chargement réinitialisé. Erreur.
anomalie du chargeur automatique. Veuillez contacter un technicien. Alors, reconnecter manuellement les pinces pour commencer les réparations. Aussi, Dead Space était vraiment bien pour ça, par rapport au, à tout est expliqué sur des écrans et tout ça. C'est pas genre des menus... un jeu récemment qui vient de sortir et qui est une atrocité, hein, Forspoken. Hein. Les tutoriels qui vous mettent pause avec des grosses fenêtres à lire et tout ça, c'est une catastrophe. C'est honnêtement une catastrophe. C'est pas comme ça qu'il faut faire les tutoriels. Là, c'est pour vous... Ça vous sort du jeu, mais d'une force. Ok, c'est parti. Ah oui, et il y en a une qui va pas s'accrocher. Wow. Ah mais on peut tirer vachement vite en fait. Ah ouais, non mais on peut tirer vachement vite en fait. Ok. Ah ça va, c'est cool, c'est beaucoup plus... ouais, beaucoup plus vénère en fait. Oh, on tire très très vite avec le cutter. Tiens. Putain. Tiens. Voilà, vite, dans le coin. Ok, y'a personne, ça va. Ouh, la stase est super jolie. Ça fait comme une boule d'énergie en fait, de stase, c'est super beau. Avant c'était plus une sorte de lancer de plasma en fait, j'ai envie de dire. Là c'est beaucoup plus joli, on va la recharger. Là j'aime beaucoup, ça change un peu. En fait, ça dépend ce que vous aimez, quoi. C'est ça qui est cool, c'est que c'est juste différent, c'est vraiment sympa. Ah, il faut la staser, non ? C'est pas ça ? Pince gauche connectée. Ah, c'est la pince de droite qui... Ouais, il faut la staser. Ok. Le combat est vachement mieux, en tout cas, hein, que Dead Space 1. Évidemment, hein, c'est normal, mais c'est pour dire... Ça va ? Ouais. Pince droite déconnectée. Ça marche. T'as réussi à déplacer le trap ? Le chargeur automatique est grillé. Mais la stase devrait faire l'affaire. Oh, vous avez vu l'effet ? Super. On peut faire du trap endommagé. Le son porte en bas. Patientez. Voilà, parfait. Vous avez vu l'effet ? Il y avait... C'était plus bleu. Merde. À l'endroit où j'ai stasé en fait. Merde, je crois qu'il y a un truc derrière moi. Il y en a deux. Non, il n'y en a pas derrière moi, ça va. Ah là ! Il n'y en a pas derrière moi ? Y'a pas de demi-tour rapide par contre ici. Merde. Bouge. Ah, c'est bon. Ce tram bloqué. Non, y'a plus rien en fait. Y'a rien. C'est foutu. T'as dit qu'un disque dur était grillé aussi. D'après l'inventaire, y'en aurait un de rechange à la maintenance. Les trams peuvent pas fonctionner sans. J'ai cru qu'il y avait un truc derrière moi en fait. Non, c'était juste une partie de la créature. Oh, ça, c'est cool. Ça, c'est sympa. Après, par contre, je me demande si celui-là... Bon, là, on a que un soin 2, donc on va pas l'utiliser. Mais est-ce que le jeu va utiliser les soins 1 avant les soins 2, etc. ou pas? Ou il va utiliser celui dont on a le plus besoin, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, faudra voir aussi. Du coup, on repart en arrière. Ça marche. Ah, le gameplay reste fun, hein, même à ce jour-là. Dead Space, ça reste très très fun à jouer. Oh. Ok.
du coup on revient vraiment en arrière, yes. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. On se sent bien l'embrouille là. Non. Évidemment. Par contre, une chose à dire, la stase reste quand même très longtemps. Hein. Je crois que dans l'original, il fallait au moins du niveau 2 ou 3, hein. Il fallait l'augmenter quand même pour avoir une stase aussi puissante. Là on arrive à couper une jambe et après y aller au corps à corps. Et je suis quasiment certain qu'on pouvait pas le faire dans le 1. Avec la stase niveau 1. Habilitation de sécurité niveau 1 requis. D'accord. Ok, intéressant. Ouais, là la stase est vraiment puissante, là c'est cool. Et qui fait le grand écart là. Là. Alors, utiliser l'écran de carte pour continuer les objectifs, repérer les lieux importants. Ça marche. Il y a toujours plein de bruit super chelou. Alors, recentrer, changer d'état, changer de mission. Okay. Donc là, on doit faire quoi? Ah oui, donc ça, les étoiles, c'est la stase. Les photos, là, c'est les sauvegardes. Attends, comment on fait? Comme ça, désolé. Ça marche. Bon bah ça va, ça allait. Et on peut la déplacer la carte ou pas? Je crois pas qu'on puisse la déplacer sur les côtés. Non, on peut que zoomer et dézoomer. Ouais. On n'est pas encore à une heure, on va continuer un peu. J'ai dit que mon premier épisode serait une heure. Donc on va continuer encore un peu. Là j'ai vu... Ouais, j'ai vu plein de bordel, mais il nous faut quoi? Disque dur. Ah oui, c'est le disque dur dont elle parlait, ça marche. Dont Daniels parlait. Your locator knows the way. Et ouais. Qu'est-ce que c'est bien ce truc. Et encore une fois, ça c'est vachement bien en fait pour plusieurs choses. Déjà pour pas vous perdre, ça c'est sûr. Du coup vous avez pas vraiment besoin de map, c'est vrai. Mais surtout pour savoir où est l'objectif principal. Du coup vous pouvez complètement aller à l'opposé pour explorer. Ça c'est vachement cool. Ça permet de faire facilement des jeux à 100% en fait, à explorer. Donc ça c'est vraiment sympa. Mais bon. De toute façon on l'a fait ce côté-là. Donc... On va sauvegarder. La sauvegarde est rapide, donc on en profite. M3, pardon. Contrôle, M2 storage, M1 maintenance. On est à quel étage, nous? Ah, les effets de fumée, volumétrique et tout ça, c'est sympa. Ah, ah, ah. Ah, je vois des trucs intéressants. Tiens. Toujours, regarde, c'est la... Ah, c'est la règle. La règle de base dans Dead Space. Regardez toujours derrière soi. Qu'est-ce qu'on fait? On se soigne? Ah, on se soigne. La règle de base, voyons.
Ah, en face. Vas-y, ramène-toi. Qu'est-ce que ça dit? Ah, c'est en japonais! Ou chinois? Ishimura, c'est japonais ou chinois? Désolé, je comprends pas. Wow, wow, wow! Ah, l'effet de stase et tout ça, et de... L'effet dégueulasse aussi, ils l'ont bien peaufiné, ils l'ont bien travaillé, honnêtement, c'est cool. C'est top. Ah, ouais, il me faut ça. Bon, par contre, on n'a plus de stase. Est-ce qu'il y avait un... Ah, je crois, par contre, on est bloqué sur du... Ouais, je crois qu'on est bloqué sur du Dead Space 1. C'est-à-dire que ça va pas vous montrer les endroits de stase, les endroits de... d'augmentation et tout. Enfin, peut-être après, hein. Mais pour le moment, non, il n'y a que la mission. Ouais, non, il n'y a pas de... Il y a des boîtes. Il n'y a pas de stase. Je sais pas si elle remonte toute seule. Les ascenseurs tout. Ah, ça inspire confiance, hein. Ok, on a, ouais, on a une ventilation derrière nous. On a des objets à gauche. On a une créature qui fait semblant, hein, parce que ça c'est sûr que qu'elle fait semblant. Oh, attends. Oh, putain, je peux pas. Membre d'honneur, j'ai eu un succès. Je veux pas te... Je voulais pas trop m'avancer. Putain, mais l'objet il est là en plus. Quel con. Bon, c'est pas grave. Je voulais taper le corps parce que je pensais que l'objet il était pas encore tombé, mais en fait si, quand ça explose, si. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'on a comme soin? Des petits... Ouais, non, ça ira pour le moment. Bon, la stase, elle a pas l'air de remonter automatiquement pour le moment. De toute façon, j'ai un objet de... qui remet de la stase. Ah. Alors, département d'ingénierie aérospatiale. Toujours en réparation. Réparer maintenant fonctionnel d'ingénieur. Okay. Ça, c'est la salle de maintenance.
Ouais, enfin les lumières, à la limite, on s'en fout. Waouh, merde, j'ai le choix quoi en fait. J'ai envie de dire les lumières, on s'en fout parce que bon, c'est quand même l'ascenseur que je suis en train de d'enlever le, la puissance là. Ouais, on fait ça dans le noir. Oh là mon dieu. Voir comme c'est. Ah oui, c'est bien noir là par contre. Ouais, on fait ça dans le noir. Ok, donc on est de retour là. J'ai eu un crash. J'ai eu un crash apparemment DirectX qui a crash et tout ça. Il y avait écrit regardez si vous avez bien vu bien les dernières mises à jour de Nvidia et tout ça machin. Et bah oui, évidemment que j'ai toujours, je regarde tout le temps, tous les jours, si, surtout si je dois jouer à un nouveau jeu. Du coup, je suis allé un peu plus vite et j'ai récupéré des meilleurs objets. C'est aléatoire hein, bien sûr les objets. Donc ouais, on est bien paqués. Notre inventaire est plein. Ok, donc on est reparti, on recommence. Donc on va enlever la lumière. On va ouvrir ça, on va enlever la lumière et on garde l'ascenseur, pareil. Donc j'espère que ça va pas recracher parce que sinon ça serait embêtant. Ok, donc c'est en bas. Est-ce que je peux te stun? Ça va. Par contre c'est... T'es pas seul. T'es mort? Ouais, t'es mort. Ok, on est bon. On peut leur couper la jambe, les faire tomber et... les écraser en fait. Ok, je pense qu'on va directement... Ouais, courir à l'ascenseur. Putain, il y a une ventilation devant moi. Go, 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 go. Ok. Évidemment. J'ai une ventilation. Oui, évidemment. Il y a tout le temps des ventilations dans votre dos, de toute façon. Mais ouais, c'est complètement fait exprès hein, d'avancer avec les lumières éteintes. Attends. Là. Par contre, il est pas seul. J'ai un truc derrière moi. Ah tiens. Non. Okay. Inventaire plein, ok. Attends, parce que... Ça m'a pas... Tu veux voir? Ah, oh, ok, c'est parce que je visais en même temps. Il faut pas viser pour recharger la stase. Ça marche. On va d'abord utiliser les petits, parce que ça risque de m'utiliser un gros, en fait. Ah, voilà. Ok, parce que j'ai essayé d'utiliser la stase, en fait. Enfin, le rechargement rapide de stase, mais en fait, il faut pas viser. Ça va, on s'est bien débrouillé, là. Du coup, c'est par là. Ok, d'abord. Ok, très bien. Les points, c'est très important les points. Alors c'est quoi ça? Invitation à une partie de poker de la part de M. Smith à J. Rife. Il ne faut pas de moi, je suis sérieux, ça me stresse. La nuit dernière, j'ai eu un de ces rêves qui te réveille direct. Mais cette fois, mon père était assis à côté de mon lit et me parlait. Ah, ils sont... Oui, ils deviennent tous... C'est bien. Établi. Nano réparation, c'est ça? Ouais. Ah ah! Donc, ça, c'est l'amélioration des armes. Honnêtement, je suis pas très fan du premier Dead Space par rapport à ça. Je préfère honnêtement le 3.
Mais ouais, on va voir un peu s'ils ont amélioré ça. Alors, améliorer vos armes et votre rig en utilisant un établi. Améliorer des armes, améliorer l'arme ou le rig, sélectionner en investissant des points de force dans leur plan d'amélioration dédié. Ouais, en fait, c'est ça dans le premier. C'est le problème, c'est qu'il faut vraiment aller partout pour trouver le plus de points de force. Et je crois bien que vous en avez jamais assez, en fait, pour tout faire. Donc, vous devez choisir ce que vous voulez faire. Et je crois pas qu'on puisse les réinitialiser. Après, dans le remake, apparemment, ils ont 1000 options. Donc, réinitialiser les améliorations peuvent être réinitialisées à tout moment contre des crédits. Je crois pas que dans l'original, on pouvait faire ça. Je suis pas sûr, en fait. Je suis plus trop sûr. Bon, bref. Débloquer des nouvelles améliorations pour accéder à des améliorations uniques et agrandir le plan d'amélioration de l'arme. Apporter des pièces d'amélioration sur l'établi. Marche. Donc on a le cutter ou la tenue. Donc là on a dégâts. Ah, c'est des points. 100 points. Comment ça marche? Alors, fais voir la tenue déjà. Ah, oh, ok. En bas ils te mettent ce qu'il y a de que vous pouvez récupérer en fait. Ok, fais voir le cutter à plasma. Ça marche. Je vois pas de chose spéciale. Je crois bien que même dans le 1, ils avaient mis ça. Genre si on arrivait à faire toute une branche, là, genre très loin en fait, après plusieurs points, on pouvait avoir le cutter qui met feu aux ennemis, je crois. Peut-être qu'après ça va se débloquer. À propos, c'est quoi ça? Ah ok. Bah du coup, on va augmenter nos PV. 100 points de PV apparemment. Le prochain 120... Ah mais du coup on a dû soigner en fait. J'aurais pas dû utiliser un soin, c'est pas grave. Là on a de l'air, mais du coup je peux pas passer par dessus. Zone de stase. Ouh, c'est bien ça. Durée de la stase. On est d'accord que je peux pas. Ouais. Ah, il faut connecter les points à chaque fois. On a de l'oxygène. Ouais. Le cutter à plasma, honnêtement, c'est un peu l'arme de base qui fait très mal. Donc ça. Capacité, je m'en fous un peu. Mais bon, on va devoir y passer, je pense. Ok, on va garder un point de côté. Pour le moment. Ok, très bien. Nickel. Disque dur. On peut pas rester ici plus longtemps. Ça grouille de partout. Attendez, j'ai le disque dur. Je retourne dans la salle des commandes. Daniel, préparez-vous à y aller. Ça marche. Installez le disque dur. Ah putain. Il y a toujours ce système où, en fait, il vous poursuit, les ennemis vous poursuivent par les bouches d'aération. C'est super bien fait, hein. Déjà en 2008, enfin quand c'est sorti, c'est vraiment cool ce système. Où les monstres, si vous changez de salle, les monstres vont souvent pas passer par la porte, ils vont juste trouver la ventilation la plus proche, partir dans la ventilation et après utiliser une ventilation qui est dans votre salle pour vous attaquer. Et ça peut même être au plafond, je crois. Il y a un truc qui va monter sur les côtés, non? Oh, attends, l'ascenseur il est à droite. Rien de rien, quoi. Ah, ça! Ouf, 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 ouf. Je pensais que c'était un cadavre lui par contre. Je pensais que c'était un cadavre que j'avais déjà combattu en fait. Ouais. Honnêtement. Voilà.
Comme ça, vous pouvez pas venir. Pas quoi. Oui, voilà, il passe par ça, donc bon, à la limite, ça sert à rien ce que je fais. Ça va, il est rapide. Et je veux dire un truc, je suis quasiment certain que dans l'original, il tapait pas assez vite. Et je suis quasiment certain que vous pouviez pas faire ce que je fais sans vous faire taper. Quasiment certain. Que, genre si vous mettiez un monstre à terre et que vous foncez dessus à vouloir essayer de l'écraser, vous faisiez quand même taper. Là on arrive à bien les bourriner, à les stunner et tout ça. Donc ça c'est vraiment cool, ça fait économiser énormément de munitions. Disque dur réinstallé. Redémarrage du système effectué. Ok, cool. Appeler le tram. Maintenance effectuée. Appel du tram en cours. Ah, ils sont là. C'est bon. Arrêt imminent, pont de lancement, salle des commandes. Ah, c'est sympa, il est juste devant. Avant, je crois qu'il était sur la droite, non? C'est marrant, on les voit par la fenêtre. Ouais, de rien, hein. De rien, hein, quand même. Putain. On y est. Quelque chose a touché le toit, mais tout semble opérationnel. Le système de confinement est désactivé. Tu peux aller au hangar. Les communications sont toujours pas rétablies. Tiens-toi prêt à tout. Quel est le plan? Vous et Johnston, vous réparez le Kellion. Nous, on se rend sur le pont. Protocole d'urgence standard. Quoi? Quel protocole? Amont, des gens sont en train de mourir. Je perdrai pas une personne de plus. Si on s'en tient à la procédure, on y arrivera. Ça marche. On verra. Les deux aiment bien se gueuler dessus. Hein. Je crois que ça devient de pire en pire. Hein. Si je me rappelle bien. C'est de pire en pire. Alors, tram en route, très bien. On n'a toujours pas de vraie tenue d'endroit. Ok, ça marche. On va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait une bonne... On va sauvegarder. On a fait une bonne session. Une bonne petite heure. On a eu une bonne idée de ce que vaut ce remake. Honnêtement, j'ai que du bon à dire. Au début, j'étais un peu bloqué par les contrôles, tout ça, la manette et tout ça, un peu la rapidité et tout. Mais après avoir mis tout à zéro, genre la sensibilité et tout, c'est nickel. J'aurais bien voulu avoir une option pour dissocier la vitesse de visée et la vitesse de la caméra, mais bon, il n'y a pas ça, à moins que je sois pas passé dessus. Que j'ai pas vu, mais y a pas ça. Mais en tout cas, point de vue graphisme et tout ça, bon, il est superbe. Honnêtement, je parle jamais des graphismes dans les jeux parce que c'est très subjectif par rapport à vous. Je trouve Minecraft très joli, hein, personnellement. Mais voilà, c'est par rapport à ce que vous aimez. Donc les graphismes, y a rien à dire. C'est très beau. Les lumières sont très belles. Les textures sont très belles. Les monstres sont très beaux. Les monstres sont un peu plus vénères, je pense. Ils sont rapides. On peut tirer par contre très vite. Je crois que j'ai même pas vu de vitesse de tir quand on était à l'établi. Ce qui expliquerait pourquoi on tire aussi vite en fait. Peut-être. Je crois qu'il y avait de la vitesse de tir avant. Enfin bref. En tout cas, le gameplay est très bon. Au final, Isaac a jamais été vraiment le mec qui est super maniable. Hein, faut l'avouer, hein, c'est pas un soldat et tout ça. Mais honnêtement, les mouvements sont cool. Les mouvements sont très sympas, c'est assez facile de se retourner, de bouger et tout, et même un peu plus ou moins d'esquiver en fait les ennemis, vous n'avez pas vraiment besoin de roulade. Donc ça c'est vraiment mis à... J'aime parce qu'on l'entend souffler en fait quand on commence à courir. Genre il est fatigué, il est essoufflé, ça c'est bien ça, c'est bien ces petits détails comme ça. Le gameplay est très rapide au final, c'est très très bien, la stase est super belle, marche beaucoup mieux que dans le premier jeu en tout cas, donc ça c'est sympa. Après, il faut voir si on peut l'augmenter. Oui, c'est avec la tenue qu'on peut augmenter. Donc, la stase est vraiment très utile, en tout cas, sans l'augmenter. Le jeu tourne très bien. Il est toujours à plus de 60 FPS pour moi. Alors, à des moments, quand on allait dans des salles, il y a peut-être genre une demi-seconde, une fraction de seconde de freeze, mais encore et encore. Honnêtement, c'est pas visible. Je le sens parce que voilà, quoi. Mais ça arrivait peut-être deux fois. Mais sinon, tous les FPS sont constants à plus de 60 FPS pour moi, alors que j'ai à peine une 1080 Ti. C'est pas comme un autre jeu qui était très mauvais pour ça, bref. Mais voilà, que du bon pour le moment.
et ça me donne des bonnes vibes pour la suite. J'ai vraiment l'impression que c'est du Resident Evil 2 remake, pour la qualité d'un remake en tout cas. Donc très très heureux de ça, très heureux de ça. Donc ouais, je voudrais bien qu'on puisse faire des roulades. Je veux faire des roulades comme dans le 3, merde. Ça serait trop tellement cool. Mais bon, ouais, je suis impatient pour le reste. L'ambiance est là, Même si je connais le jeu, je connais Dead Space, l'ambiance est vraiment là. Les bruitages, les bruits, la luminosité. Il n'y a pas tout le temps, par exemple, des lumières qui clignotent tout le temps, comme un autre jeu de l'année dernière, c'est par Scofield. Il n'y a pas genre 70%, c'est pas ça. Parce que oui, les lumières qui clignotent, ça fait peur dans les films. Oui, d'accord, mais bon, quand on met 70% de ça, là, j'ai l'impression qu'on essaye de me tuer, personnellement. Parce que ceux qui sont sensibles à ça, vous passez votre chemin, quoi. Là, non. Là, on a des effets d'ombre, des effets de lumière et tout ça, bien pensé. Ouais, honnêtement, cool. Honnêtement, très très bon remake. Très très bonne qualité pour le moment. La VF est bien. La VF est sympa. La VF est très sympa aussi. On n'a pas entendu énormément non plus pour le moment. Isaac a l'air d'être très cool pour le moment. Très relax. Donc on verra s'il s'excite un peu plus tard, mais pour le moment ça va. Mais ouais, on continuera la prochaine fois, donc je ferai un épisode, des épisodes un peu plus longs je pense. Et on parlera un peu d'autres choses aussi, du travail de Scofield et de Visceral Games en fait. Enfin on verra ça, on verra un peu ça. Mais ouais, très très content de ce Dead Space pour le moment remake. Très bon, très bonne qualité, je conseille. Il vaut son argent. Il vaut largement son argent pour le moment. À la prochaine. Ah oui, j'ai eu un petit crash. J'avoue, j'ai eu un petit crash. C'est sur PC. On n'est jamais à l'abri des crashs. Bon, c'était qu'un seul. Donc ça va. On verra si on en a plus par la suite. Mais voilà, ça arrive de temps en temps. C'est pas trop grave pour le moment. Il n'y a rien de très grave. Voilà, il n'y a rien de très très grave. Il n'y a pas de problème pour le moment, de gros problèmes. Donc très bonne chose. À la prochaine, portez-vous bien. Et ciao.